Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, nous sommes toujours à Foraghan. On va laisser juste la lumière revenir en nous asseyant quelques heures. Ah, d'ailleurs, on peut voir les grandes tours là-bas de communication, les grandes paraboles, entre guillemets. On va rester là 6 heures, ça devrait suffire. 4, 3, 2, 1, et c'est bon, c'est bien ce que je disais. On se bouge le fion. On entre dedans et j'ai envie de voir un truc. Est-ce qu'on peut se déplacer? Je me rappelle plus si on peut se déplacer rapidement avec l'armure. Ça c'est assez moche, je le reconnais. Apparemment on peut. Donc il y a Foraghan là, mais je n'ai pas vraiment envie d'y aller, je dois l'admettre. Pourquoi? Bah parce que à mon avis d'avoir une mission, vu la zone que c'est avec les miliciens autour, d'avoir une mission sûrement à prendre auprès de Preston. Et on peut se déplacer donc rapidement avec. Est-ce que je revois certaines textures des armes du jeu aussi hein. Parce que franchement, j'y trouve certaines... Enfin, elles sont belles, mais... Je sais pas. Enfin, elles sont fines. De là à être belles, en fait, c'est ça, voilà. Elles sont fines, mais pas forcément extrêmement belles. Parfait, donc je suis toujours dans l'armure. C'est cool. Bah écoutez, je vais faire un garage à armure, un de ces quatre. Hein. Où est-ce qu'on se gare? Bah on va la garer là, c'est pas grave. Hop. Donc tu es un T-60. Toi aussi tu es un T-60, c'est ça. Est-ce que je peux... Voilà, fabriquer. T-45, non t'es un T-45 toi, d'accord. T-45. Alors, il y a des trucs que je peux réparer. 4 aciers, on répare. 4 aciers, on répare. On répare. Donc, apparemment, l'armure est entièrement réparée. Au niveau du plastron. Apparemment, j'ai pas assez d'aluminium. Faudrait que je pense à récupérer des choses qui sont potentiellement en aluminium alors. Dommage, je l'aurais bien peinte en fait, chers amis. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Une fois peinte, elle aurait été cool. Hop, air transfert, je mets quand même tout le bric-à-brac. Ok, toi tu peux revenir là. Toi aussi. Tu peux revenir dessus. Hop. Ok. Bah à vrai dire je voulais pas le prendre mais c'est pas grave. Voilà il est rangé. C'est fait que j'ai toujours intéressante. Il y a des armes que j'ai qui sont pas intéressantes en fait. Vous savez quoi? Depuis notre conversation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans la région? Eh ben, on va aller voir Bobby. Tiens. Ah non, il y avait ça aussi. Trouver les trésors de Jamaica Plain. Ah oui, c'est là que je voulais aller moi. Ah, mais c'était peut-être un petit peu trop au sud, c'est ça que j'avais dit. Ok. Bah écoutez, avant d'aller à Jamaica Plain, on va aller à Diamond City, on va aller parler à Bobby. Bah dis donc, c'est long. Allons-y. Alors, un instant, j'ai une petite sauvegarde, je reviens. Heureux, chers amis, donc. On va aller voir Bobby. Mais on va quand même aller ensuite faire le truc au nord. Ah, vous voilà.
Bah alors... Je me demandais si vous alliez vous montrer. On se planque ? Oui, c'est moi. Je dois me cacher le visage dans ce coin. Les gens comme moi ont pas vraiment le droit de circuler par ici. Ouais, je suis au courant. Allez, au travail. Le grand mur de verre qui surplombe Diamond City, c'est le bureau du maire. Une minute. J'ai des questions à vous poser. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Paul Pembroke m'a dit que vous avez tué Henry Cook. Et je le crois. La 4. Paul a tué Cook. J'ignore qui l'a tué. Paul a tué Paul Cook. Paul ment. C'est lui qui a tué Cook. Non. Je pense que c'est vous. What ? Elle a refusé. Intriguant. Oh ! Oui, c'est moi. J'ai pas le temps de le dire. Je dois me cacher le visage dans ce coin. Alors attends, les attends, on va finir ça. Les gens comme moi ont pas vraiment le droit de circuler. Une minute. J'ai des questions à vous poser. Ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. Tant mieux. Paul Pembroke m'a dit que vous avez tué Henry Cook. Et je le crois. Je lui ai ramené sa femme. Au bonhomme. Je lui ai ramené sa femme et il me dit que c'est de ma faute. J'ignore qui l'a tué. Paul ment. Non. Paul ment. C'est lui qui a tué Cook. Je devrais vous tuer tous les deux. L'un de vous a tué mon père. Mais je tue pas les gens sans raison, moi. Et je suis pas encore sûre. J'ai bien dit, pas encore. Eh ben vas-y. Va le voir, lui. Tu disais. Bobby. Ah, vous voilà. Je me demandais si vous alliez vous montrer. Oui, c'est moi. Je dois me cacher le visage dans ce coin. Les gens comme moi ont pas vraiment le droit de circuler par ici. Allez, au travail. Le grand mur de verre qui surplombe Diamond City, c'est le bureau du maire. Je suis au courant. Les deux gens sont au courant. Mais il y a une chambre forte enterrée dessous. Le maire est assis dessus. Et c'est notre cible. Ce type leur a pas volé, faut dire. Vu comment il traite les miens, il mérite peut-être même pire. Oh, regardez Canigou. C'est pas faux, il y a des trucs que j'aime pas chez lui. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des capsules, des médocs, de la bouffe. Assez pour faire tourner toute la ville. Ce sont des choses qu'on veut. Des choses que tout le monde veut. Si vous en êtes, vous vous en mettez plein les poches. Ça, c'est de la bonne réponse. Ouais, je vois. Je vous propose d'inviter quelqu'un d'autre à notre petite Canigou. Fête. J'ai réussi à retrouver mon technicien. Il s'appelle Mel. Et il est dans cette ville en ce moment même. Donc c'est un humain. Ce mec est capable de bricoler des gadgets pas croyables. Oh. Le problème, c'est qu'il est un peu enfermé. Ah merde, il est en prison. Il faut que vous le sortiez de là. Moi, je peux pas me pointer au bureau de sécurité avec ma gueule. Même si je mets un sac dessus. Si vous le dites. Si vous pensez qu'on a vraiment besoin de lui. Croyez-moi, on n'y arrivera pas sans lui. Crochetez la serrure, trouvez la clé, soudoyez le garde. La routine, quoi. Tirez-le. C'est tout ce que je vous demande. Intriguant. Moi, j'aimerais d'abord aller voir là, si elle est dit qu'en dessous, il y a une cachette secrète de la mort. Moi, je veux voir. Je veux m'assurer de ce qu'elle dit d'abord. Où est-ce que pourrait être cette cachette ? On va aller voir chez le maire. Ah bah serait bien à ce niveau-là, on est con. Non ? Enfin, je suis con. Je me permettrai pas d'en dire autant pour vous. Non ? Non plus. Je veux savoir, bonjour. Le maire n'est pas d'humeur à parler de ses inepties sur les synthétiques. À moins que vous n'ayez besoin d'un permis d'habitation, je ne peux rien pour vous. Un permis d'habitation ? Des permis d'habitation ? Ça m'intéresse. De ce permis. Nous avons une maison de disponible. Elle se trouve en plein centre-ville, oh. Juste à côté du marché. Vous pouvez faire ce que bon vous semble pour ce qui est de la décoration intérieure. Et tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour ça sont fournis sans surcoût.
Des détails ? Vous pourriez m'en dire plus sur cette maison ? Le précédent propriétaire a acheté un entrepôt adjacent et a bâti quelques murs. Alors, elle est plus grande que la moyenne. Et il a laissé tous ses outils. Donc, vous aurez tout le nécessaire pour modifier l'intérieur si vous le souhaitez. J'achète. Je la prends. Voici la clé. Permettez-moi d'être la première à vous souhaiter la bienvenue dans notre belle... Ça valait le coup d'économiser. Par contre, juste pour j'ai voir... Rendu avec ma copine. Elle a plus mes sous, c'est ça que je déteste en fait. Collectionnez les bouchons des tubes de dentifrice. Et vous savez qui fait ce genre de truc ? Les synthétiques. Les synthétiques. Tellement gros cette histoire. Ouais, ça je m'en rappelle. Moi ce que je cherche c'est sa planque à la con là. Je suis bien trop occupé pour prendre le temps de discuter. Je suis le maire, après tout. Ouais. Bon, bah, on va aller voir la maison. Bah, dépêche. Oh là, la chute va être douloureuse. Hey. Canigou. Va là-bas. Allez là-bas. Il a pas sauté. C'est bien. Il apprend de ses erreurs, ce con. On n'aime pas les rôdeurs par ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non, pas en pleine nuit, j'imagine. Hey ! Hop, allez, suis-moi. Ma maison, elle est où ? En plein centre-ville, juste à côté du marché. Elle est où ? Vous avez besoin ici. De quelque chose ? Ici, c'est forcément ma maison, parce qu'il y a mon truc d'armure assistée à côté. Ah, génial! Génial, génial. Je ne suis pas entré avant, j'aurais peut-être dû. Ah oui, c'est... C'est sommaire. Ah, il y a du bordel, hein. Ah bah, j'aurais dû rentrer dedans avant, hein. D'accord, j'ai deux entrées en plus. J'ai de quoi faire pour Canigou. Bon, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Et j'ai ma sortie sur le toit. Ok, c'est cool. Eh ben, c'est pas trop mal. On a du boulot à faire là-dedans, mais c'est pas trop mal. Est-ce qu'on peut déjà commencer ? D'accord, on peut déjà commencer si on le souhaite. Non. Non, j'ai dit. Fusil de précision, à vrai ? Ah oui, non. Ah si ? Cool. Avec lunettes de vision nocturne en plus. Bah, il est vachement cool ce fusil. Il fait vachement mal en plus. J'ai que de savoir vis-à-vis du mien. 77, 3, 215. Ah, le mien a plus de portée. Par contre, il tire des balles de calibre 50, le machin. Je vais le prendre. Il va sûrement être sympa à utiliser celui-là. Ok, bon, bah, on verra ça plus tard. Hop! Vu que la housing est encore naze pour l'instant, hein, ça sert à rien. Oh, the weather outside is frightful. Bon. Fanny Hall. Normalement, faut pas que j'aille par là. Mais je pense que si je longe là et que je me rends vers le nord, je pourrais peut-être y arriver. On va aller voir. Oh. Souvent prises pour des zombies, les ghouls sauvages sont en fait des immatériellement irradiés dont le pourrissement du cerveau a provoqué la folie. Ah, c'est joliment dit, j'aime bien. Terriblement irradiés. Oui, effectivement, ils sont un petit peu dans un sale état quand même. Hein. Faut reconnaître que... Ah, elle a encore des cheveux. Ah, c'est intéressant à voir. Ils ont pris la peine de les faire. Il te manque un bout de nez. Toi aussi. Mais ils ont encore des oreilles plus ou moins distinctes. C'est intéressant. C'est bon à savoir.
C'est vraiment bon à savoir. Bon, la suite. Alors, les freins de bouger commencent à accélérer le recul des armes automatiques. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Oh putain, oui. J'aime pas cet endroit. Non, non, on bouge, j'aime pas l'endroit. Hein? Putain, c'est une ville de pillards. C'est un endroit rempli de pillards. Ok, donc on va au nord. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? On avance en mode discret, ça devrait suffire. Voilà. Old Church. Salle de boxe. On ira fouiller tout ça, hein, vous inquiétez pas. Juste envie de débloquer quelques endroits, de faire un petit peu d'explo. Là. Oh attendez, on pourrait essayer le... Vu qu'il est mieux. Quoi? Merde, c'était quoi ça? Hein? On en veut quelque chose? Hein? Ok, ils m'ont vu. Chose. Ok, et de 1. Wow, bien joué. T'as pas le droit de crever. Ok. C'est marrant, ils font pas des masses de dégâts, par contre, ils meurent facilement. Hein. Une porte rouge là-bas. Ok. Ouais, il meurt vachement facilement, c'est intriguant ça. Wow. Il doit être plus haut, c'est pas grave. On continue. On continue, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, il y a du café? Ah non, il n'y a plus de café dedans. Dommage. Je croyais qu'il y avait du café. On va prendre les canettes et les boîtes de conserve, j'imagine que ça donne de l'aluminium. Tasse à café, cafetière. Ouais. Bon. J'avoue, je m'attendais pas à ça. On est où sur la map? Il y avait pas une route normalement qui passait? Ah. Ah. J'ai pas envie. Je pourrais passer trop à gauche, j'ai peur que ça bug. Oh. Une armure assistée et une autre. Bah écoutez, on va y aller. On la ramènera à la maison aussi, c'est pas grave. Meant. Non. Drink. Non plus. Cage. Non plus. Bon. On va essayer de trouver les différents... Entre guillemets, les différents hacks. Ok, mot supprimé, c'est bon à savoir. Donc même les petits trucs comme ça fonctionnent. J'avais pas fait gaffe. À moi de faire attention. Hop. Joli. Et on l'a eu. Commande de la porte de sécurité. Ouvrez la porte. Par contre, peut-être que je peux pas nager avec.
Ce qui serait con. Oh, elle est complète. Il y a des bouts d'armure de T51. C'est toute une armure de T51. Waouh, génial. Entrez. Excellent ça, chers amis. Excellent, excellent, excellent. Celle-là, faut absolument qu'on la ramène. Elle a le jetpack? Non. J'ai cru l'espace d'un instant. On va y aller, on va bien voir. Hop. Ce serait peut-être temps de remettre la tête hors de l'eau, ce serait cool. C'est pas mal. Rien dans la poubelle, c'est dommage. Hein ? Si on le ferme ? Rien du tout. Ok. Cool, on peut sortir de l'eau. Génial. Ah, je suis pas sur le bon truc. Non, là, c'est trop à l'est. Là, je risque de me tomber sur des niveaux qui vont être un petit peu trop haut. On avait déjà vu tout à l'heure que c'était limite dans un des précédents épisodes. Non, 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 là, je peux pas me permettre ça. Boston Est, je peux pas y avoir accès. J'évite. Ah non, 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 on avait déjà eu du mal. Vous vous rappelez les ghouls qu'on avait eu du mal à buter en descendant une colline, là? Putain. Vous vous rappelez quand on... Alors, c'était où exactement? C'était là. Ou là. Là. Et que c'était impossible à buter, les ghouls. Ah non, 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 faut surtout pas que je... Que je me fasse agresser par ce côté-là. Par contre, j'aurais bien accepté s'il y avait un vendeur ou deux. Bon, on y va, c'est pas grave. Hop. Par contre, je vais peut-être vous faire une ellipse. Pom 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 pom. Si je mets la lumière. Ah merde, excusez-moi. Ah, c'est intéressant. Littéralement dans le fond de l'eau, hein. Peut-être se prendre un radeaway quand même. Un radix. Et un petit coup de steampack. Hop. C'est quand qu'on arrive? En plein ouest, hein. Ah, je vois des poteaux à gauche. Ou des arbres. On doit pas être trop loin. J'ai l'impression qu'on monte en plus. Ouais, 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 on remonte. Alors, hello. Oh, il y a un truc bizarre en face. What? Qu'est-ce que c'est qui a fait ça? J'ai cassé un bout de mon armure? Ah non? Hello? Oh. Je l'ai eu. What? Salut Klebs. Apparemment, il y a un pillard légendaire là-bas.
Ah, j'ai pas touché. Bah là non plus j'ai pas touché. Allez, ramène tes fesses. What? Putain, mais c'est un bateau! Oula! Bah, c'est le bateau qu'on doit voir dans la bande annonce. Je vais aller voir le mec là, Mister Navigateur. Bonjour. Recherche en cours. Recherche en cours. Accès aux archives d'avant-guerre. Archives retrouvées. 108e régiment d'infanterie, 2e bataillon. C'est la Providence même qui nous envoie un membre de l'armée du Congrès en s'étant troublé. L'armée du Congrès. Moi, j'étais dans l'armée, la vraie. C'est quoi l'armée du Congrès? Ordre du commandement. Proclamation 3. À partir de ce jour, tous les membres de l'armée des États-Unis deviennent membres de l'armée du Congrès. Le capitaine vous demande sur le pont. Au pas de course et que ça saute. Intrigant. Il est à être au courant que j'étais dans l'armée il y a très longtemps et du coup il m'a littéralement redonné une attribution et il m'a mis dans l'armée du Congrès. Cependant j'ai vu un truc bizarre par là, il y a un symbole bizarre, vous voyez le symbole en... Oh putain, faut qu'on aille voir ça. Ça c'est le mec qu'on a buté. Repère de junkies, d'accord, je comprends pourquoi il était là. Oh, t'avais pas mieux? Dommage. Marrant, y'a pas tant de vie que ça. Hein. Ah! Y'a un camp! Hello? Bunker Hill, ouvre la porte. J'espère que je peux rentrer. Hein. Merde. Vous là, vous êtes avec une caravane ou avec les pillards? Il n'y a que moi. Je ne suis avec personne. Vous êtes à votre compte, hein? D'accord. Venez. Mais défense de sortir une arme à feu. Le marché est ouvert. Si vous avez envie de faire du troc, n'hésitez pas. Attends. J'ai sorti une arme à feu. Très bizarre. Bonjour. Pardon. Tiens, je ne vous connais pas, vous. Si vous avez besoin d'un médecin, je peux vous examiner. Oh, c'est sympa. Moi j'ai un paquet de drogues pour toi. Je pense que j'ai quelques stims. J'ai une chier. Mais alors vraiment une chier hein, pour le coup. Le bourbon je te le donne aussi. Le jet, le medix, le Nuka-Cola, Nuka-Cola chérie, poche 248. Psycho-Buff, Psycho... Radix, je peux t'en vendre 9 déjà de base. Hop. Sans irradier, je t'en vends 2. La vodka, la voilà. Par contre, du coup, si t'as ouais, un Steampack ou 2. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Hop. Merci à toi. Putain, c'est sympa l'endroit, c'est une ville. Mais une ville pas instanciée. J'ai presque envie de rejoindre le réseau du rail. Eh, hey, vous pourriez pas essayer de mettre un peu de plomb dans la tête de mon crétin de fils? Sa coquinerie. Ouais, non, pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai autre chose à foutre, comme dirait l'autre. En plus, tu vois pas que je suis un petit peu équipé. Bonjour. Je sais pas si dormir en pleine journée. Ouais. Sauf si c'est elle qui fait la garde de nuit, entre guillemets. Par contre, ouais, faudrait peut-être penser à mettre quelque chose sur cette porte-là. Hein. Ce serait peut-être pas mal. Bonjour. Membre de caravane. Qu'est-ce en bas? Oh, ça va être à moi, ça, je le sens. Bonjour. Kessler, d'accord. Oh! Mais c'est cosy, par là! La route est vraiment trop longue. Et tout ça pour des cacahuètes. Cricket! Ah oui, je l'aime bien, elle. Garde de caravane. Oh!
le vieux Stockton. Pardon. Bonjour. Moi, c'est Stockton. Vous avez bien dû entendre parler du vieux Stockton, non ? Stockton. Je suis propriétaire de trois caravanes qui sillonnent... T'as de la chance. Je t'envie beaucoup, je l'avoue. Et donc, ça t'apporte des chiottes. Ok, c'est cool. Tu as effectivement beaucoup de chance. Oh, pardon. Il est propriétaire de... Oh. C'est cassé. Ouverture impossible, intrigant. Meg, salut, bonjour. Toi. Salut, je m'appelle Meg. Vous venez d'arriver à Bunker Hill ? Pour 10 capsules, je vous fais faire le tour de la ville. Pas tout de suite. Je la connais comme ma poche. Donc là, il n'y a rien. Là-dedans, on est d'accord, il n'y a vraiment rien. Bon, j'aurais dû monter tout en haut, chers amis. Et je pousserai la gamine d'en haut si jamais elle m'y emmène. J'annonce. Par contre, il doit avoir une super vue sur le bateau. Ouais. Je rêve où il y a un robot militaire au-dessus, une sentinelle. Oh. Oh, vie amour. Ouais. Cool. Cartouche. Merde, par contre, c'est pas sur cette fenêtre-là que je vais avoir le meilleur angle sur le... Oh. Ah, quand même. Ah, mais par contre, en plein jour, ça va être dégueulasse. Ah non, c'est une pub. J'avais peur, je croyais que c'était un mutant ou un truc comme ça. Comme le gros machin, vous savez, qu'on avait vu dans le... Ah! Je le rêve pas! Mais alors, ce serait un truc rempli de robots, tout simplement? Intrigant. Intrigant, intrigant, intrigant. On y voit quelque chose un peu mieux par là? La rue... Une espèce de truc bizarre là-bas. Une espèce de bâtiment de truc blanc. Toujours au nord. Est-ce que j'ai la carte au nord? Ah, c'est peut-être l'hôpital. C'est pour ça qu'il serait blanc. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, on y voit rien du tout. Dommage, j'aurais bien aimé avoir juste un plan sur le bateau. Bon, celui que j'avais déjà pas trop mal. Hop. Et donc j'avais cru voir une espèce de... Ouais, mais c'est peut-être l'ancien le bar. Ouais, je suis dedans, c'est ça. Je veux dire, j'ai cru voir une espèce d'ancien bâtiment bizarre. Bon, 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 bon. Un instant. Ok, re, chers amis, donc. Où est-ce qu'on... Ah oui, exact. Je voulais voir ce que c'était que ça. Ok, d'accord, c'est notre entrée du bar. Ouais. Il y a une fille dessus. Bonjour. Madame, vous faites quoi là-haut? Vous avez un peu trop de barda? Je peux vous acheter ce qui ne vous sert pas. Et s'il vous faut d'autres choses, je peux vous les vendre. Ah, intéressant. Ok. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Tout est vendu en l'état. Je sais pas ce que tu fous là, mais... Pourquoi pas, hein? Hop, déjà ça. Ça va me faire de la place. Oh, j'ai un chier d'armes que je ne pourrai jamais récupérer. Compagnon d'état, désolé. Oh, intéressant. Pas mon style, mais intéressant. Intéressant aussi. Alors juste pour voir, est-ce que... Oh, intéressant, elle envoie un propre. Elle en vend peut-être pas, elle en vend pas. Annuler champ de cours, non, annuler. Hop, je récupère mon argent, merci. Oula. Ah, je vois qu'il y a plein de choses au sud. C'est intrigant.
Oh. Bonjour. Rien, si ce n'est pas un truc d'armure. Hop, quelques cartouches. Gah ! Non, bon, on va y retourner alors. Oh. Sympa ce bâtiment pourtant. L'endroit est sympa. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, tu m'étonnes. Merci. Prochaine fois, restez au sol, s'il vous plaît. Oh non! Non! Juste un truc. Alors, qu'est-ce qui attaque Kanigou? Putain. On peut même pas être tranquille. Wow! Bonjour madame. Monsieur. Lisez les jambes. Ça va Kanigou? Remets-toi voyons. Hop. Ah cette caméra, cette ouais cette vision est super bien. J'adore. Donc il n'y avait pas qu'une seule goule dans l'endroit. Hein. Par contre il faut que je commence à faire attention aux portes qui d'un côté. Livre en retard. Ouais on a ce qu'il faut je crois. On a ce qu'il faut en livre en retard, chers amis. Oh. Hop. C'est bon. On ne bouge plus. Pas de luminescent. Déteste ça! Putain, je déteste ça. Kanigou, remets-toi. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Carburant de Mr. Andy. Intéressant. Très intéressant. Hop, pousse-toi. Cartouche, 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 cartouche. C'est bon ça! Fusil à verrou. Ouais. Le reste est un petit peu moins intéressant, je l'avoue. Fil de coton, je vais prendre. Ouais. Dommage, dommage. Hop. Au niveau des enregistrements, j'en ai peut-être loupé un. Donc j'en ai 2 sur 3. Faut absolument le dernier maintenant. Oh, the weather outside. Je sais pas pourquoi les chansons, j'ai des chants de Noël dans la tête. Enfin, je sais pourquoi, mais je préférerais ne pas les avoir, je l'avoue. Ah, elle est là. Oh, il était bien caché en plus. Ok, rien d'autre. On descend. C'est parti. Hop, Charlestown. Alors, c'est un peu long. Parfait. Ouais. Oh. What?
Garde de caravane. Mais pas de caravane, c'est cool. C'est naze. C'est complètement naze. Bon, bah, on va passer là, hein, c'est pas grave. Le fait que l'arbre bouge me fait vraiment peur. Blast Radius. Ah, mais c'est une boutique qui vend des jeux de société? Private Property de notre espace. Oh! Hello there! Ah. Mr. Andy. Bonjour. Bonjour. Pelouse interdite. Pelouse interdite. Ah bon? Est-ce que tu vas me tirer dessus? Non. Interphone. Cabot House. Allez-vous-en. Oh. C'est une goule. Non. Je vous ai dit de partir. Laisse-moi entrer. Vous avez l'air sympathique, mais je vous déconseille vivement d'entrer. Faites-moi confiance. Laissez-moi entrer. Vous êtes coriace. D'accord, vous l'aurez voulu. La porte est ouverte. Entrez. Ah, respecte-moi. Cabot House. Donc c'est le lieu où on est en fait. Donc c'est une goule qui a apparemment deux robots, ce qui n'est pas rien. Ne bougez pas d'un pouce. Qu'est-ce que vous faites ici? Ouh, le sac! Du calme. Du calme. Je ne cherche pas les ennuis. Vous frappez toujours à toutes les portes au hasard quand vous débarquez à Boston. C'est ce que j'appelle chercher les ennuis. Edouard? Qui est-ce? Ne vous en faites pas, Jack. Je maîtrise la situation. Ne soyez pas si méfiant, Edouard. Je lui trouve une bonne tête à notre visiteur. Je vous en prie, veuillez accepter mes excuses pour le comportement d'Edouard. Il est très dévoué, mais il pêche par excès de zèle parfois. Je suis Jack Cabot. Bienvenue à Cabot House. Quel est cet endroit? C'est quoi cet endroit? Vous êtes dans notre humble demeure. Les Cabot ont toujours vécu ici depuis un temps qui remonte à bien longtemps, avant la Grande Guerre. Vous vous demandez sans doute pourquoi nous restons ici, malgré l'état déplorable de la ville de Boston. C'est une toute autre... Edouard, vous savez ce qu'il nous faut? Un verre, le bourbon de ma réserve personnelle, d'accord? Suivez-moi, nous n'allons pas rester... J'ai pas le temps de lire le reste, je l'ai laissé faire et... Sauvages. T'as une bonne tête, pour une goule. J'aime bien. Et t'as des couilles, je reconnais. Je vous en prie, asseyez-vous. J'aimerais d'abord, si vous, cela ne vous inquiète pas, fouiller votre maison allègrement. Avant de parler affaires... J'aimerais vous poser une question que je pose à tous mes nouveaux employés. Le moment est-il vraiment bien? Ne m'interrompez pas, Edouard. Alors, nouveaux employés? Pensez-vous argent qu'il existe d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers? Des extraterrestres? Vous parlez des extraterrestres? Les ovnis, les petits hommes verts? Non, tout cela tient de l'hystérie populaire et ne se base sur aucun fait avéré. Je parle de l'histoire secrète de notre planète, de l'origine même de la civilisation humaine. Les pouvoirs ancestraux que même la science moderne, quand elle était encore au sommet de sa gloire, n'aurait été capable d'expliquer. C'est intéressant parce que moi j'aime bien tout ça, Eldritch Horror, Arkham. J'ai consacré toute ma vie à ces questions. Je m'efforce d'employer Lovecraft, des méthodes scientifiques rigoureuses, tout en gardant une ouverture d'esprit sans limite. Trop de théories restent incomprises. Parce qu'on pense déjà tout connaître. Pas faux, je l'aime lors bien. Lors d'une expédition archéologique dans le désert du Roubalcali, dans la péninsule arabique, mon père a mis au jour une cité datant de 4000 ans avant l'avènement de toute civilisation humaine connue. Les structures et les artefacts qu'il a trouvés étaient très... étranges. Déroutants même. De toute évidence, ils n'étaient pas humains. Il me plaît. J'ai passé ma vie à tenter de décrypter ces découvertes. Jack, est-ce que je peux lui dire ce qu'il doit faire maintenant? Pardonnez-moi, Edouard, je me suis laissé emporter. Vous allez lui demander de retrouver la cargaison perdue? Oui. Dans ce cas, je vais vous laisser voir ça dans le détail. Nous reparlerons de tout ça une autre fois, quand nous serons moins débordés. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment. Bienvenue dans la famille. Bon. Merci. Vous êtes officiellement des nôtres. Félicitations.
La caméra fait des trucs bizarres. Au boulot. C'est quand vous voulez. Bien, ça fait partie du boulot. Il vaut mieux garder l'esprit ouvert. Jack est peut-être un peu excentrique, mais il n'est pas fou. Non, ça se voit. Vu le nombre de robots et la goule qui se tape. Jack possède un bâtiment au nord de la ville. On a perdu un colis de première importance entre ici et là-bas. Je veux que vous le retrouviez et que vous me le rapportiez. Des questions. C'est quoi ce colis ? C'est quoi ce colis ? C'est un coffre en métal qui contient des fioles de sérum. Vous n'avez pas besoin de savoir. Jack en a besoin pour ses recherches. C'est tout. Vous devriez commencer à l'asile d'aliénés de par sens. Ah, bah c'est cette là ! Impressionné par le nom qu'on lui donne. C'est juste un bâtiment sécurisé. On pense que notre coursier est tombé dans une embuscade en quittant les lieux. Les gardes ont entendu des coups de feu à bonne distance, mais ils ignorent ce qui s'est vraiment passé. Alors, allez voir Marie. Est-ce que ça coupe ? Oui, parfait. Vous m'avez parlé, chers amis sur Steam, d'un moyen d'entrer dans cet asile. Est-ce que c'est cette quête-là, ou est-ce que c'est un autre mec encore que je dois chercher en ville ? Parce que si c'est celui-là, je vais arrêter de chercher, d'aller voir à chaque fois que je lance une partie, si le bonhomme est dedans. Donc dites-le-moi dans les commentaires si c'est celle-là. Et à Parsons, c'est elle qui gère le personnel de sécurité. Elle vous aidera à y voir plus clair. Tout est paré. Plus de questions. J'ai encore des questions. Allez-y, parlez. Pourquoi garder l'asile ? Pourquoi Jack a-t-il posté des gardes dans un ancien asile ? Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais je vous préviens, je ne répondrai pas forcément. Si c'était utile pour votre mission, je vous le dirai. Mais ce n'est pas le cas. Autre chose. Qu'est-il arrivé au colis exactement ? A-t-il été perdu ? Le coursier est allé à l'asile et a emporté le colis sans problème. Mais il n'est jamais arrivé ici. C'est peut-être juste un mauvais coup du sort. Ou une embuscade. C'est pour ça que je vous envoie là-bas. Il faut absolument récupérer le colis. Je Alors, comprends. Tout est paré. Ouais. Rien, merci. Bien. Ils vous attendent à Parsons. Alors ne traînez pas en route. Oh. Alors là, ne traînez pas en route. Tout est relatif. Moi, je vais fouiller la maison déjà. Oh. Oh. Oh, le paradis. Le paradis. Une vraie maison. Propre. Rangée. Regardez. Même le sol est propre. Le sol brille. Anormalement. What? Ouais, le sol brille vraiment anormalement. Canigou, tu casses tout. Non. Merde. Voilà. Ouvrir. Oh. 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 On est chez lui. On est chez lui, n'est-ce pas ? Permettez que je ouvre son coffre-fort. Aïe. Ah ! Parfait. Génial. Bon, il a rien d'exceptionnel. Hein. Je vais lui laisser. Franchement, je lui laisse. Je lui laisse volontiers. Les cuisines. Ah, c'est vraiment une vieille maison. Hein. Une vieille bâtisse. Alors, je voulais voir dans mon inventaire si dans bric-à-brac, les boîtes de conserve donnent de l'aluminium. Elles donnent de l'acier. Qu'est-ce qui me donne de l'aluminium ? Les canettes. Fusée miniature, d'accord. Là, il y a une porte, ouvrir. Oh, une véritable chambre froide. Avec de la bouffe encore potable, putain. Quel homme.
Quel homme. Oh là 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 là. J'aime bien cet endroit. Cette maison, je la veux. Je veux qu'elle m'appartienne. Est-ce que c'est possible seulement? Oula, non. Ne soyons pas agressifs envers nos hôtes. Il n'y a pas de raison de l'être. Oh, j'aime. J'aime, chers amis, j'aime. Il faudrait une clé. Oh. Fusil Zeta. Oh, pardon. Laissons-le passer. Parfait. Canon à 11 Zeta, je le veux. Ça ne te dérange pas que je le prenne? C'est quoi ce truc? Fusil Zeta. J'ai que 76 balles. Oh, c'est stylé. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Quoi donc? Ah non, rien. Ah bah c'est celui-là, le bouquin que je pouvais pas prendre déjà. D'accord, c'est quoi ce colline? Non, clé nécessaire. Vous avez des clés sur vous, les gars? Je peux pas le fouiller, lui? Rien, laisse-moi, mais laisse-moi! Rien, merci. Dans ce cas... Il a pas de clé sur lui, par contre lui en a une à tous les coups. Ah, bon. Même bonjour. Pas. Ah, il y a une clé à chercher là-dedans. Il y a une clé à chercher. Potentiellement dans la chambre du mec peut-être. Oui, là je vois où nous sommes. Pas moyen de crocheter. Oh. Je n'aime pas ne pas avoir la clé de certains endroits. Je n'aime pas ça, mais tu me diras, j'ai son flingue. Hein. Donc il l'a quand même dans le cul. Hein. Cependant, la clé est sans doute quelque part. Putain, mais il a un tableau de son ancêtre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ou c'est lui-même? What? Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était une porte secrète, un truc dans le genre. Ça va plus. Ça va plus dans ma tête. Ok, il y a du boulot, donc faudrait qu'on se rende à l'asile. Ah, oh, mais j'ai pas sa clé de... Je veux sa clé. Ouais. Bon, bah d'abord, on va aller rendre les bouquins. Hein, parce qu'on a trouvé un livre en retard récemment. Ah, d'accord, il m'a vraiment donné la clé, donc je peux, à chaque fois qu'il verrouille la porte, je peux la rouvrir. Ok, cool. Ça, c'est cool. J'ai plus besoin de son autorisation, donc ça, c'est génial. Ensuite, la bibliothèque. La bibliothèque, voilà. Hop. Tels leurs illustres prédécesseurs de la révolution américaine, les miliciens modernes sont dévoués à la défense des habitants du Massachusetts. Prêts à passer à l'action dès que leur aide est sollicitée. La milice. Si pour ceux qui ont vu Rambo, ils ont autant de doutes que moi sur la milice. La série T-51 d'Armure City était le summum en termes de protection mécanisée avant la Grande Guerre. Elle a connu son baptême du feu à la bataille d'Anchorage et est très recherchée pour ses capacités de protection. Je crois qu'on a une armure full T-51 actuellement. Alors, parfait. All trains. Alors, par où on entre? Par où on entre? Oui, normalement il y a une porte par là, si je ne me trompe pas. Par contre, notre armure est presque vide. Ce que je n'apprécie pas du tout. Épingle à cheveux 6, je les avais pas prises. Bienvenue à la bibliothèque publique de Boston. Nous sommes actuellement fermés au public.
J'avais pas vu ce truc-là. Est-ce qu'il y a de nouveau du monde ? Apparemment non. Bon, ramenons nos deux livres. Parfait, utilisez les crédits. Vous avez 50 crédits. Le chirurgien du Massachusetts. Un en réserve. Le dentifrice aussi. Je comprends pas pourquoi le dentifrice coûte aussi cher. Hop, bon, le chirurgien. Oui. Infliger des dégâts supplémentaires aux membres. Ah, 2% de dégâts supplémentaires. Bah, c'est cool. Bonne réponse, bon choix. Ça, c'est bon. Bon, de ce côté-là, c'est fait. Ce qu'on avait à faire d'important est fait. Maintenant, est-ce qu'on se rend à Parson ? À l'asile. Est-ce qu'on se rend à l'asile ? Est-ce qu'on est fou ? On est fou, on se rend à l'asile. En espérant que le chargement soit pas trop long. Hop. Alors. Peut-être qu'en réduisant de moitié, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'une cellule, ça correspond à peu près une heure de jeu. Une cellule à fusion. Oh, génial, la petite... Petit impact sur le visuel. Mais ne nous attirez pas d'ennui. Salut. C'est Maria la responsable. Ah oui, pardon. Bonjour. J'ai tué certains de vos collègues. L'accès à cette zone est interdit. Circulez. C'est Edward qui m'envoie. Edward Digan qui m'envoie. Je cherche un collier égaré. Ah, vous êtes le nouveau ? Oui, le... Colis. En fait, on sait déjà où il est, plus ou moins. Les types qui ont descendu Ben se sont retranchés dans la laiterie de Parsons, au nord d'ici. Vous ne pouviez pas vous en... Ce sont des pillards ? Ce sont ces types. Des pillards ? C'est ça, une bande d'enfoirés bien armés. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils traînent encore dans le coin. On dirait qu'ils étudient le terrain. Ils préparent quelque chose et ça me plaît pas. J'ai hâte que vous nous débarrassiez d'eux. Bien, madame. Bien. Ah oui, c'est vraiment au nord. Hein. C'est, y a pas plus nord. Hein. Bon bah écoutez, on va s'y diriger, chers amis. Hop. J'imagine que c'est là où il y a la lumière. Même pas. Par contre, j'ai tué quelques-uns de ses collègues. Oh putain. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Linwoods. C'est une espèce de campement. Ou de camp de pillard, ça dépend. Ah, il faut qu'il n'y a pas d'autres pièges. Soyons sûrs avant de monter. Ouais. Ok. Pillard légendaire. Contre quoi ils se battent ? Oh putain. Oh putain.
Ok. Quoi ? Qu'est-ce que... Combien sont-ils ? Qui a fait pop les... Alors regardez. Vous voyez toutes les douilles que j'ai tirées ? Ça c'est un mode. Ça c'est génial. Il en reste. Et je ne sais pas ce que c'est du tout. Et j'ai plus assez de balles pour pouvoir me le permettre. Non, j'ai plus assez de balles pour pouvoir me le permettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Fusil d'assaut, c'est pas grave. On y va. Faites que ce soit pas un écorcheur. T'en es pas un. Ok, je l'ai eu. Ok. Donc 1, il y a eu une chier d'ennemis. 2, je crois que j'ai fait pop en utilisant l'alarme. 2 écorcheurs. Intéressant. Je pique ton stylo au cas où je dois écrire un truc. Où est le gros écorcheur de la mort ? Là. Celui qui était censé pas être de mon niveau. Il avait un hochet sur lui, c'était un bébé. Pourquoi pas ? Hop. C'est toujours pas ce qu'il faut sur moi ? Bah si. Donc voilà l'endroit. Et bien nous on va se laisser là chers amis pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom pour faire trouver les liens dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamespace.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et je les en remercie tout comme ils m'ont offert Star Wars Battlefront ou encore Mad Max. Merci à eux, merci à vous de votre fidélité et de votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.